꿰죠. 엉, 저는 이번에 북한 또 가정나가는 이제 비 삼나가 능 솜돌 비디가 준들 남낭 사브리냐 언더짓 남비 민오카 농가 땅 섬으로 내다올 점포사사이 솜쥐 Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon après-midi. Mesdames et Messieurs les juges, les différentes parties, et bon après-midi, Monsieur le Témoin. Ce matin, des questions vous ont été posées sur la période qui précédait la prise de Phnom Penh. Cet après-midi et demain, nous allons nous concentrer sur la période entre avril 1975 et janvier 79, la période qui nous intéresse au plus haut point. Je vous demanderai si c'était possible de faire réellement l'effort de vous remettre, de vous replonger dans ce contexte particulier et de vous souvenir des faits qui se sont produits à cette époque. Et je vous en remercie. Les questions porteront sur la structure administrative du régime, sur les communications, sur le rôle des accusés et sur les différentes politiques. Alors, ma première question, Monsieur le Témoin, est de savoir où vous avez travaillé après le 17 avril 1975, une fois que vous êtes arrivé à Phnom Penh. ក្រោយឆ្នាំ1975ខ្ញុំចូលមកភ្នំពេញបោះជ្រះអនាម័យនៅទីកន្លែងក្រសួងការបរទេសស្បថ្ងៃនេះគឺទីស្តីការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបាទ Combien de temps après le 17 avril 1975 vous êtes arrivé à Phnom Penh? Vous dites que vous avez travaillé au nettoyage du ministère de la Défense. Est-ce que dans la même parcelle, il y aurait eu un autre ministère qui se trouvait là? Je voudrais bien comprendre, vous avez travaillé pour le ministère de la Défense ou pour le ministère des Affaires étrangères? Je n'ai pas bien compris. D'accord, merci beaucoup. Bah, qui a décidé à ce moment-là de nous affecter au ministère des Affaires étrangères?
Une fois que vous avez fini de nettoyer les lieux, quelle a été la fonction que vous avez occupée au ministère des Affaires étrangères? D'accord, mais après avoir fini le nettoyage en tant que combattant, quand le ministère des Affaires étrangères a été opérationnel, quelle fonction avez-vous occupé? Mục nghĩa đại khiêm tự tu nâng đôi chia chùm râu. Mình chứ ba lo chìa mục nghĩa ấy tê. Mình tọp mò bà hai chìa tam khiêm chấm bọn yên giới ri lục mò bì bò đợt tê vĩnh ban riệp chấm ở khiêm ni tự tu khổ trớ kháng phần này ការងារសតិអារម្មណ៍របស់បងប្អូនសំណួរJe vais revenir à vos fonctions plus tard. មកនិយាយពីមុខងាររបស់លោកនៅពេលក្រោយLorsque Yang Sari est rentré à Phnom Penh, quelle fonction lui-même a-t-il occupé à son retour? ក្រសួងនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនេះហើយអេ quelle fonction qu'occupe-t-il au ministère des Affaires étrangères monsieur តំណែងអ្វីដែរនៅក្រសួងការបរទេសដូចជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការងារបរទេសសំណួរ Est-ce que dès qu'il est rentré dans Cap Phnom Penh គាត់មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ Il occupait cette position កាន់តំណែងក្នុងភ្លាមឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់មិនទាន់កាន់តំណែងភ្លាមទេតោះតបោះជ្រះអីស្អាតបាទអូយូរណាស់ប្រហែល2 3ខែណោះបានរៀបចំជាក្រសួងជាក្រសួងនឹងមិនទាន់រៀបរយអីទេសម្រាប់សំណួរកាលពីព្រឹកមិញCe matin, vous avez évoqué le nom de M. Sarin Chak. Donc, je pense que vous le connaissez. Est-ce que vous savez quelle fonction occupait Sarin Chak à l'époque, juste avant la prise de Phnom Penh et juste après? ក្រសួងការបរទេសខ្ញុំគិតគូរតែអំពីរឿងជីវភាពបងប្អូននិងធ្វើការងារសតិអារម្មណ៍បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះសំណួរEst-ce que le bureau des affaires étrangères a toujours été au même endroit depuis le début, jusqu'en 1979, où il aurait déménagé?
Je n'ai pas eu de traduction, Monsieur le Président. លោកតាំងសំណួរអមិញមិញនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមធ្វើដូចអ្វីដែលបានធ្វើតាំងពីព្រឹកមកគឺសូមលោកដំណើរថាប្រញ្ញាក៏បងអង្គបន្តិចហើយនឹងសាក់សៃដូចគ្នាបងអង្គបន្តិចរងចាំមានភ្លើងក្រហមនៅក្បាលមីក្រូសូមចាប់ផ្ដើមនិយាយដើម្បីឲ្យគម្លាតគ្នានេះនាំឲ្យមានការបកប្រែនឹងបានចប់គ្រប់ថ្នាក់ Oui, je repose la question. Est-ce que le ministère des Affaires étrangères a toujours été situé au même endroit depuis 75 jusqu'à 79 ou a-t-il déménagé? On mien ka plaf do ti kon lain ti. Merci. Donc, vous m'avez dit que Yeng Sary était vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Est-ce que vous savez s'il faisait partie du comité central du parti? Est-ce que M. Yeng Sary faisait-il partie du comité permanent à votre connaissance? Khnyom ot ban chou ruom te, doichne khnyom ot dang chabah te. Merci. Je crois ce matin avoir déjà donné à M. le témoin le document E3-446, qui est aussi le document D-369-36. Et avec l'autorisation de la Chambre, je voudrais qu'on puisse projeter la réponse de si je ne me trompe pas 37 de ce document. Donc à la réponse 37, vous avez dit non, M. Kusampa n'était pas membre du comité permanent. Les membres du comité permanent, ils n'étaient que quelques-uns seulement. Il y avait notamment Pol Pot, Nunchia, Yeng Sary, Tamok. Alors ma question est la suivante. À ce moment-là, en 2010, vous avez dit aux enquêteurs que Yeng Sary faisait partie du comité permanent. Et aujourd'hui, vous ne le savez plus très bien. Est-ce que ce passage vous rafraîchit la mémoire, monsieur? បញ្ហាអចិន្ត្រៃយ៍ពី 3 នាក់នេះគឺខ្ញុំឮសូគេនិយាយហើយ
tư đậm na ca tu sinh nạ cây ấy xênh xênh bàn khả nhóm đấng tha ô bọn yên giả rí chìa ụp bạc nè dụ mặt rộn trái cơ xuông ca bò đất tê ai bà ca ai khả nhóm đấng ọt bàn đăng tê càng này dễ được chân này bà Sous le régime du Cambodge démocratique, de manière générale, dans les différents organes de pouvoir, est-ce que les individus qui en faisaient partie pouvaient prendre des décisions tout seuls ou fallait-il que ce soit des décisions collectives? Bần tay chỉ cố cá cứ xâm rạch đôi xâm mùa hiệp. Xâm nua. Est-ce que Pol Pot, par exemple, pouvait prendre une décision tout seul au sein du comité central ou du comité permanent? First of all, it is calling for, it is leading in nature. There is a lack of foundation. He needs to establish that the gentleman was a member of or participated in standing committee meetings or central committee meetings, or that somehow he has some first-hand knowledge before he can answer that question. So it assumes, the question assumes facts which are not in evidence from this witness. If a foundation could be laid because of his association with his uncle, maybe his uncle told him, maybe he participated, maybe he came into contact with something other than simply asking the witness to speculate. Those are the grounds of my objection, Your Honor. Monsieur le Président, il y a un fondement là, sur cette question, puisque des questions lui ont été posées à ce sujet devant les juges d'instruction. Il me semble que cette question est justifiée. Il vient de dire que, à sa connaissance, Pol Pot, qui est quand même son oncle, faisait bien partie du comité permanent. Mr. President, if I may be heard. Obviously, the gentleman doesn't understand the basis or the thrust of my objection. Irrespective of what is in the statements that were taken by the investigative judge, that is not a foundation. The foundation has to be laid here, because we are dealing, after all, at least in this courtroom, with a principle of orality. If we're going to suggest that everything, the foundation has been laid in the documents, then why simply go through the exercise of asking questions? Why not just suggest to the gentleman to look at the documents, verify that these are the documents, and then we can all go home? Under the principle of orality, a foundation has to be made here. And based on the foundation, then it can be put to him. That's the way I understand the principle of orality, and I believe that's exactly what we've been doing since the beginning of this trial. And I'm not suggesting that the statements cannot come in. The statements can come in, but you cannot say something was said to the investigative judges, as was just indicated, as a response to my objection, and therefore what's in some report is a foundation, and I can just skip through it. That's the thrust of my objection. Chơi đậm nàng sao đây nhà ông đã chết miền này to top thì nâng sai chấm to rồi bao mình vì ông đã chết cả việc đây lục yên thời đại ban chấm to mình đại tế
Oui, merci, Monsieur le Président. Je reviens à cela. Le témoin dit qu'une part Pol Pot, à sa connaissance, faisait partie du comité permanent, et d'autre part, il dit le principe de prise de décision au sein des organes du Kampuchea démocratique était collectif. D'où ma question de savoir, d'autant plus que Pol Pot est son nom, si Pol Pot pouvait prendre des décisions tout seul au sein des comités dont il faisait partie. សេចក្តីជំទាស់របស់មេធាវីមៃឃែលកាណាវ៉ាដែលជាមេធាវីការពារក្តីលោកអ៊ីងសេរីជំទាស់នឹងការតាំងសំណួរចុងក្រោយអំពីមិញនេះដោយដំណើរថាប្រញ្ញាអន្តរជាតិគ្មានប្រសិទ្ធភាពអង្គជំរះត្រូវការស្ដាប់នៅចម្លើយនេះសាក់សីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលដំណើរថាប្រញ្ញាសួរចុងក្រោយអំពីមិញនេះ ទំនងជាសាក់សីផ្លិចសំណួរហើយសូមតំណាងសាភិញ្ញអន្តរជាតិតាំងសំណួរចុងក្រោយដែលលោកសួរទៅសាក់សីនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់បានស្ដាប់យល់ដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបាន Bien sûr, Monsieur le Président. Donc, ma question était, Monsieur le Témoin, est-ce que Pol Pot pouvait-il prendre des décisions tout seul au sein du comité central ou du comité permanent du parti ? Vous avez tout à l'heure parlé du fait que Nunchia faisait également partie du comité permanent. Quel était son rôle exact au sein du parti? Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir montrer un nouveau document à Monsieur le Témoin. Il s'agit d'un procès-verbal d'audition du témoin en date du 23. Il porte la référence E3-73 et l'autre référence est D233-2. Si on peut projeter à l'écran
Kakada, Nam, Page. Six en anglais. 0036 10 13. Et en français, le REN est 004-05-455. Et je vais vous donner le Khmer dans un instant si j'ai l'autorisation de donner ce document et de faire projeter le document à l'écran. អេក្រង់កុំព្យូទ័រហើយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលឯកសារពីតំណាងសាភិញ្ញាយកទៅជូនសាក់សីពិនិត្យ Alors le numéro est REN en Khmer. Le 00 35 75 30. 0035 75 30 35. Bon, c'est une longue question qui avait été posée au témoin concernant Kiet Chun et Chun Prasit. Et dans la réponse, le témoin a dit ceci. Il parle d'un incident avec Hu Yun et après il dit, cela veut dire que Pol Pot ne pouvait pas prendre de décision tout seul. À l'époque, autant que je sache, c'était Pol Pot qui s'occupait de la politique et Bang Nunchia de l'organisation administrative. Il y a probablement une petite question de traduction parce qu'il me semble qu'en anglais, on ne parle pas d'organisation administrative concernant Nunchia, mais plutôt de nomination des cadres. Est-ce que, monsieur le témoin, vous confirmez la responsabilité de Nunchia concernant la nomination des cadres du parti? ទួនាទីរបស់លោកនួនជាតកតងនឹងការចាត់តាំងកម្មាភិបាលដែរឬទេ Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit ou vous l'infirmez? Ce n'était pas ça que vous aviez dit. Mais est-ce que vous la confirmez? Si M. Nunchia était responsable de la nomination des cadres au sein du parti, est-ce que c'était lui aussi qui nommait les cadres du parti responsables de questions de sécurité? កម្មាភិបាលដែលទទួលបន្ទុកខាងសន្តិសុខដែរឬទេខ្ញុំអត់បានកុំអត់តន់ឆ្លើយនឹងសំណួរសាក់សីមកអង្គទីឆិនចាំស្ដាប់អង្គជំរះសម្រេចលើការជំទាស់របស់មេធាវីការពីក្តីនួនជាសូមជើញលោកមេធាវី Thank you, Mr. President. The witness only said that he confirmed his statement, no more, no less. He did not say today that my client was in charge of appointing people for or
in the party. La question, monsieur le témoin, était de savoir, puisque vous avez confirmé votre déclaration concernant la nomination des cadres par Nunchia, est-ce que c'est lui qui nommait également les cadres du parti qui était responsable des questions de sécurité? Je suis là, Luk Nunchia, tour contre Khang Chattang. Ai Chattang, ai, ai, nhom ot dang te. Merci. Est-ce que vous avez vu souvent ta Pol Pot, Nunchia, Pol Pot, Nunchia, Kyu Sampan, Son Sen, d'autres dirigeants encore se réunir ensemble en avril 75 et janvier 79. Khnyom khoeng kwat prachum pon tae mon dang nigei rieng ay te. Où ces réunions se déroulaient-elles, s'il vous plaît? Oui, c'est toujours la même période, avril 75, janvier 79. Vous venez nous dire qu'ils se réunissent souvent. Alors, je voulais savoir où ces réunions avaient-elles lieu, dans quel bureau. Oui, c'est bien ce que je crois avoir dit entre avril 75 et janvier 1979. Où ces réunions entre les différents dirigeants avaient-elles lieu? Monsieur le témoin, vous avez déjà reçu ce matin le document D369-36 avec l'autorisation de ma chambre. Je voudrais m'en référer à la réponse 32 de ce document. Et ce document porte aussi donc la référence E3-446. Donc si on peut projeter
cette réponse numéro 32 que vous avez fournie aux enquêteurs durant l'instruction. អនុញ្ញាតអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្របសម្រួលជាបន្ទាន់ជាមួយនឹងសាក្សីដើម្បីឲ្យគាត់បានងាយក្នុងការស្វែងរកឆាប់ឃើញនៅចំណុចដែលត្រូវដេញដោល Je vais lire la question qui vous avait été posée. La question 32. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir M. Kyu Sampan, Yeng Sari et Nunchia se réunir ensemble? Réponse, oui. Ils avaient l'habitude de se réunir. Quand ils faisaient leur réunion confidentielle, ça se déroulait à K1, à proximité du bord du fleuve. Ils ne se réunissaient pas au ministère des Affaires étrangères. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous souvenez maintenant de ces réunions? Est-ce que vous connaissez l'endroit qui s'appelle K1? Bon, Banti Kormui, Nyom Skwal, Doi Knyom, Ban Tu, Madon Makal, Bantai Knyom Khuny, មានការប្រជុំនៅទីនោះកន្លែងនោះគឺកន្លែងនៅរួមគ្នាជំនន់នោះនៅរួមគ្នាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅម្ដងម្ដងអញ្ចឹងទៅឃើញប្រជុំអញ្ចឹងទៅដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាប្រជុំរឿងអីទេសំណួរ Est-ce que, monsieur le témoin, dans le cadre de vos fonctions, même si vous n'en faisiez sans doute pas partie, est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister à une ou plusieurs réunions du comité central? Non, je voulais parler de vous-même. Est-ce que vous avez pu faire partie des personnes qui ont assisté à des réunions du comité central du parti? Pourquoi alliez-vous à K1 de temps en temps? Qu'alliez-vous faire à K1? Pouvez-vous nous expliquer? Khnyom teu mantri ko muay pi pruh krua sa khnyom neu dam bai neu ti nu. Comment s'appelait votre épouse, monsieur? Chu Cheng. Comment s'appelait l'unité dans laquelle elle travaillait? Merci. Quel était le rôle de Kyu Sampan au sein du parti entre 1975 et 1979? Ou est-ce qu'il avait peut-être plusieurs rôles? Si vous pouvez nous donner ces différents rôles. Khnyom totu skol
នៅក្នុងឯកសារនេះក្នុងសេចក្តីស្រពិចស្រពិលដែរQue voulez-vous dire que ce qui est écrit dans ce document? Pouvez-vous juste répondre à la question de savoir quel était le rôle de Khieu Samphan au sein du Parti communiste du Cambodge entre 1975 et 1979, ou s'il avait joué plusieurs rôles, s'il avait plusieurs titres? Khieu mon ban tam dan rieng nung chbah loh te baខ្ញុំដឹងតែរឿងខ្លួនឯងជាសំខាន់ Est-ce qu'il y aurait eu un lien? Non, d'abord, est-ce que vous connaissez le bureau 870, monsieur le témoin?807ខ្ញុំស្គាល់មិនយកកន្លែងណាមួយជាកំណត់ទេពីព្រោះមានច្រើនកន្លែងចល័តបាទគីតេលីអូកាដ្រដឺឌីប៊ូរូ870កម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៅមន្ទីរ870ឯលោកបាននិយាយថាជាមន្ទីរចល័តនេះកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់គឺថ្នាក់មជ្ឈិមនឹងឯងជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់បាទEst-ce qu'il y a un lien que vous pourriez faire entre Khieu Samphan ou le bureau 870 ou bien il n'y avait-il aucun lien entre les deux?មានទំនាក់ទំនងម្ដងម្កាលPouvez-vous nous expliquer quel était ce lien entre Khieu Samphan et le bureau 870? ទំនាក់ទំនងរវាងខៀវសំផននិងការិយាល័យនឹងមន្ទីរ807នេះយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយរឿងហ្នឹងគឺតែប្រវត្តិវាវែងឆ្ងាយណាស់បាទមន្ទីរវាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនផ្លាស់ប្ដូរច្រើនកន្លែងបាទហើយខ្ញុំមិនដឹងកំណត់កន្លែងណាដែលប្រជុំអីខ្ញុំមិនចាំទេបាទខ្ញុំអត់ចាំទេបាទប្រមាណឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំហើយបាទ40ឆ្នាំជាងដែរហើយបាទJe voudrais en revenir toujours au même document que vous avez sous les yeux, qui est le document D369-36 à la réponse 39 que vous avez fournie aux enquêteurs. Il me semble qu'il serait utile de pouvoir lire cette réponse pour vous rafraîchir la mémoire et vous demander...ចម្លើយនេះដើម្បីលោកចងចាំឡើងវិញហើយនឹងសួរថាតើលោកនៅរក្សាចម្លើយឬក៏យ៉ាងណា Et bien entendu nous voudrions l'afficher à l'écran également. ពីលោកប្រធានដើម្បីបង្ហាញឯកសារនេះនៅលើអេក្រង់សូមអរគុណLa question qui vous était posée était Monsieur Khieu Samphan, avec quelle fonction au sein du bureau 870? Et vous avez répondu à la réponse 39. D'après ce que je sais, il était membre du comité central du parti. Mais à quel moment exactement a-t-il adhéré au comité permanent? Je n'en sais rien du tout.Il était en charge des affaires du front et en particulier du rassemblement des forces.
Il me suffisait de le voir venir travailler. J'en avais conclu que Khieu Samphan était le chef du bureau 870 en charge de la gestion du matériel après que Sieur Vasi, alias Deun, a été arrêté. Et puis dans la même réponse à la dernière phrase, au fil du temps, il fut promu comme président du présidium d'État. Il fut rattaché au bureau du comité central du parti directement. Est-ce que, monsieur le témoin, cela vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus maintenant sur le rôle de Khieu Samphan au sein du bureau 870 et du parti? ចម្លើយក្នុងឯកសារខ្ញុំទទួលព្រមយល់ស្របបាទហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំភ្លេចភ្លាំងអស់ហើយបាទពីព្រោះខ្ញុំឆ្លើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំសន្និដ្ឋានបាទភ្លេចអស់ហើយ Est-ce que vous pourriez nous dire si vous savez à quelle période Sieur Vasi, alias Deun, a été arrêté et pour quel motif? Alors concrètement, est-ce que vous avez vu Khieu Samphan venir parfois au bureau du ministère des Affaires étrangères? Est-ce que c'était la seule chose qui l'intéressait ou venait-il parfois pour d'autres motifs? ខ្ញុំអត់មានចាប់អារម្មណ៍អីផ្សេងទេរឿងបច្ចេកទេសអីសម្រាប់ទៅឆ្លងកាត់ទៅបរទេសតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនមានជាការប្រជុំទេ Quand il est venu à B1, au ministère des Affaires étrangères, est-ce que c'était pendant que Ieng Sary était là ou parfois lorsqu'il était absent? Je voudrais maintenant en venir à la structure interne du ministère des Affaires étrangères et pour nous aider à voir clair dans cette structure, je vais revenir à vos fonctions exactes au sein du ministère. Alors une fois que le ministère des Affaires étrangères a été pleinement opérationnel, quelles ont été ces fonctions que vous avez exercées au sein de ce ministère? Khnyom ot mien cheh phiasa borate te. Pantae khang lue dak khnyom oy neu knong krosuong ka borate. Khnyom mon yul srob dae. Ko pantae ខាងលើពិសេសបងអៀងសេរីថាជួយការងារខ្ញុំផង
chui chia đai chia chương chia tua nhiệt tí à kẹ lì khá thì ca cả xuông cả bò đợt tê nhóm còn mình sâu vô đá à kẹ lì khá thì ca nâng ấy ấy không mà sâu vô đê vô cả sẽ co sẽ đây nó và ta ở đây tê còn là mơ ca khó trâu thử ở bóng ôn miền ai gặp hiệp khá nì nì chứ ca nghe rồi bọc nhóm sống khăn Quel âge avez-vous au moment où vous êtes devenu secrétaire général du ministère des Affaires étrangères? Parce que c'était effectivement une lourde tâche. Pardon, la trentaine ou fin de la trentaine? Ayu sam chieng, rue que le pisam chieng. Me kyom kaut chenam apuan som lok chui thuy lay pham. Chenam apuan pham buon roi sai pham pil. Donc si vous êtes né en 1947, vous deviez avoir à peu près 28 ans. Donc 28 ans, mais il me semble, peut-être pour clarifier ce point, que dans tous les procès-verbaux d'audition, votre date de naissance mentionnée, c'est 1951, donc 9 décembre 1951. Est-ce que ce n'est pas correct? Est-ce que vous êtes bien né en 1947? Ad lui bọ prè. Oui, je vais répéter la question. Donc, si vous êtes né en 1947, en 1975, donc vous aviez à peu près 28 ans, mais je voulais juste vous demander une précision là-dessus, parce que dans les 5 procès-verbaux d'audition des enquêteurs, quand ils vous ont rencontré à Malaï, il est écrit que vous êtes né le 9 décembre 1951. Donc, est-ce que vous êtes né en 1947 ou en 1951? ហើយសពមួយឬក៏47បាទអាយុមែនតើនឹងគឺថាកើតនៅឆ្នាំ1947បាទ D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez été nommé secrétaire général. Et je crois que vous avez dit que c'était Yang Sari qui vous avait nommé, qui vous avait demandé de l'assister. C'était quand même une preuve de confiance. Alors, est-ce que durant les 3 années plus que vous avez passé au ministère des Affaires étrangères, vous avez toujours bénéficié de cette même confiance de Yang Sari envers vous? Je voudrais, avant la pause, vous poser une question relativement large. Concernant la structure du ministère des Affaires étrangères, comme vous étiez secrétaire général, est-ce que vous pourriez nous expliquer à tous quels étaient
les différents organes, les différentes cellules ou départements qui composaient le ministère des Affaires étrangères. Et peut-être, par facilité, si vous pouviez commencer par les dirigeants ou les membres de comité et descendre vers des départements, des sections, des cellules. Je vous remercie. กระทรวงการบอร์ดเต้ภายในมีปีภายในธรรมมวยคางการบอร์ดเต้ได้เจ้าเพียซาเซ็งเซ็งเชิญไปปัญญาจวนปีคือเกิดกู้อัมพีเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพระบอบกระทรวงนึงการเงินสติอารมณ์ระบอบ กระทรวงการเงินเศรษฐกิจนี้คือการเงินเศรษฐกิจค้างก็บังกอบบังการพอลตีตรงนี้ขยมตัวโคตรเอารัชนาสมปองค้างภายในค้างการบอร์ดเต้ภายในค้างปัญญาจุนไอ้ดัจจะตรงตัวบอร์ดเต้คือมันขยมตัวโคตรเอาตีขยมมันอาจจะเรียบรอบบานตี D'accord. Si on pouvait peut-être faire la distinction entre, d'une part, le bureau du ministère des Affaires étrangères lui-même, que vous avez décrit précédemment, et puis les différentes entités qui dépendaient du ministère, mais qui se trouvaient physiquement à l'extérieur du bureau. Peut-être d'abord, en commençant par le bureau, est-ce que vous pourriez nous dire s'il y avait un comité dirigeant de B1? คณะกรุ๊ปกรองมนตรีบ.1ខ្ញុំកឹកគូខាងផ្នែកដើមដោះឈ្មោះអគ្គលេខាធិការមែនក៏ប៉ុន្តែកឹកគូដល់ខាងផ្នែកជីវភាពទេឯផ្នែកបច្ចេកទេសខាងក្រសួងគឺបងអៀងសេរី ឯកាដាំដុងគឺដាំនៅក្រួយនោះដីទន្លេនោះដាំដុះនៅទៅនឹងផងដាំដុះទៅប៉ុណ្្នឹងឯងហើយផ្ដល់ពីកន្លែងផ្អស់ភីមកបាទមានសិមេ Vous n'avez pas vraiment répondu, alors est-ce qu'il y a un comité et s'il y en avait un, comment était-il composé គណៈកម្មាធិការគឺមានផ្នែកខាងបងយើងសេរីខ្ញុំមិនយល់ច្រើនទេឯផ្នែកខាងខ្ញុំមានលោកជៀម บาดปีเนี่ยปีหน้าទៀតទេខ្ញុំភ្លេចហើយបាទទាំងអស់មាន3នាក់បាទដូចជានារីសូសៃកំដឹងបាទបាទសុំទោសខ្ញុំភ្លេចហើយបាទ Pourriez-vous, tout de même, même si vous n'étiez pas responsable, évidemment, de la section intellectuelle du ministère, mais qui travaillait dans le bureau politique ou parmi les intellectuels qui étaient sous Yang Sari? Et si vous pouvez nous donner leur nom et leur fonction, si vous les connaissez. Merci.
ກະຊວງການບໍລະເທດຈັດຕັ້ງຊິຈານພ្នែកນະໃຫ້ປະເຈກະເທດນູຂ້ອຍກະດັບເວມັນບານມີແນັກຕຕួលຄົດຖືຂ້າງອາຊີອີເອີຣົບອີນັ້ນອີໃສ່ຂ້ອຍມັນການງານຂ້ອຍມັນໂຈຈັດຂ້ອຍມັນຈັງດັງມັນຈັງຫຼືບາດໂດຍຊ្នេះຂ້ອຍເຄີຍເປລຄາບປະຊຸມຈຸມຫນຶ່ງ ກະນະນີ້ទៅກະນະນູ້ទៅມີບ້ອງກຽດຊົນມີບ້ອງຊມູຊວງສີກືນມີຊມູສົ່ວຊາຍຂ້ອຍບໍ່ຮຽບຮອບມັນອໍທີ່ວ່າຂ້ອຍ Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'il est déjà passé 14h30, Monsieur le Président. Si vous trouvez opportun de prendre la pause maintenant, je pense que ce serait un bon moment. Merci. ម៉ោង 4:40 ម៉ោង 2:40 នាទីទើបសម្រាក Merci bien monsieur le président. សូមអរគុណលោកប្រធាន Alors avant de revenir peut-être plus précisément différents cellules ou départements dont vous étiez responsable. Concernant toutes les unités qui se trouvaient en dehors du ministère des Affaires étrangères lui-même, en dehors de B1, est-ce que vous pourriez nous décrire ces unités et nous dire ce qui, à l'extérieur de B1, dépendait du ministère des Affaires étrangères. Et vous avez parlé tout à l'heure de production ou de ce genre d'activité. ផ្នែកបរទេសតកតងនឹងក្រៅប្រទេសគឺនៅក្នុងក្រសួងនឹងផ្នែកជីវភាពមានការសម្អាតផ្ទះទីក្រុងផ្ទះភ្ញៀវអីៗហ្នឹងបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងបង្កបង្កើនផលបន្តិចបន្តួចនៅក្រោយក្រសួងនឹងតែម្ដងបាទផ្ទះណាមានកន្លែងដាំដុះដាំដុះទៅនឹងទៅ Merci. Vous avez parlé de maisons d'hôtes. Est-ce que ces maisons d'hôtes avaient des noms? Et est-ce que ces maisons étaient... où étaient-elles situées? ກະໄລນາໄດ້ມີລະບຽບຖ້າຕຕួលພຽວບານສົມລົມຄືບໍ່ຈະຮາມຸນគេໃຫ້ໂດຍຊິກະໃຫ້ຖ້າກໍ1ນາເລດສິດອງຈາສນັ້ນຫາກໍ1ບາດອັນນັ້ນທົມທົມຍົມຈຳມາປານນັ້ນເດໃຫ້ເລດດັກຕະເລດເດປະຕາເລດ1ປະຕາເລດ2ອີ່ຫັ້ນປະຕາເລດ2ຄືນຶອະໄຣທາກີຣອຍາລອີ Royal
Parce qu'il y avait aussi des maisons d'hôtes en province, mais pas seulement à Phnom Penh. ទៀតញើនៅខេត្តតាក់តងតាមខេត្តឲ្យគេបោសសម្អាតបាទហើយកន្លែងណាសំខាន់ដូចជាទីក្រុងកែបគឺមានផ្នែកខាងខ្ញុំនេះឲ្យទៅរៀបចំបាទ Quant aux unités de production, monsieur le témoin, comment s'appelait-elle et où se trouvait-elle? Les unités de production dépendant du ministère des Affaires étrangères. ពីមុនមកនៅក្រួយក្រសួងការបរទេសមានដីធំទីធ្លាធំបន្ទាប់មកដូចជាផ្ទះលេខ1នៅមាត់ទន្លេផ្ទះរេសិដង់ពីដើមនោះពីមុខនឹងមានទីធ្លា ดำเป็นป้อดำไอ้บันเต็งมันตัวกรอยหมดเตี้ยชั้นนำเจ็ดสับบุญอ๋อไหนเจ็ดเนี่ยเจ็ดสับประมาณเจ็ดประมุ่ยเจ็ดปมเปิลบานเตยจีรังจำเร่เจ็ดเปิลเจ็ดเปิลเจ็ดใบนะบาดเจ็ดปมเปิลเจ็ดใบนั่งบาดเตยจีรังจำเร่ Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Bung Trabeck? Est-ce que Bung Trabeck a pu faire partie ou également des unités de production en dessous, passer sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères? ចំណោះឲ្យក្រសួងការបរទេសដែរឬទេបឹងតបែកមិនមែនជាក្របខណ្ឌក្រសួងការបរទេសទេបង្កបង្កើនផលអីរបស់ក្រសួងការបរទេសមិនមែនដែរស្ថិតនៅក្រោមរបស់លោកប៉ង់ Je reviendrai là-dessus, mais est-ce que vous nous dites aujourd'hui que Bung Trabeck n'a jamais été sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères? ខ្ញុំមិញនិយាយថាបឹងត្របែកពីមុនមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសទេប្រហែលជា73 74បាននៅក្នុង ក្រសួងការបរទេសសាកសួរដូចជាអាចហន់ច្រឡំទេរឿងការបរិឆេទ73 74អាចនឹកឡើងវិញមើលតើពេលការបរិឆេទហ្នឹងវាជាក់លាក់ហ្នឹងឆ្នាំណា จำมีนเพลิงบ้านไมโครทำยังไงบ้างเจ็ดพรำเจ็ดประมุ่ยในภูมิพีบ่ายร้อยบุญเจ็ดประเพลย์นั่งบ้านกาบอตีเตอร์กรุ๊ปกรองบ้านยมพลิกชนะพลิกแค่บ้าน បាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះដល់ពេលសំលមសម្រាប់ហើយខ្ញុំរះប្រកាសសម្រាប់ពេលនីតិចាប់ពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការប្រកបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សំរុំសម្រាប់សាក់សីហើយនឹងមេធាវីប្រឹក្សាបកគាត់នៅបន្ទប់សម្រាប់សាក់សីហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះនៅវេលាម៉ោង3សម្រា